On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens et Parisiennes, bonsoir, voilà, dernier match hier contre Caen. Et bah... Emery qui avait dit qu'on voulait terminer en beauté. Bah, je suis désolé, ça a été un match vraiment de merde. Oui, de merde, on peut dire ça comme ça. On peut dire que le Paris Saint-Germain n'a pas voulu jouer. Enfin, ils ont joué à la baballe, quoi. Voilà, même si le championnat est fini, Paris premier, voilà, l'OM, bien content déjà que l'OM soit pas dans le top 3. Hein. Ça aura fait les boules un peu. C'est parfait pour nous, voilà, on gagne tout. Et Marseille qui perd la finale. Excellent, excellent, c'est excellent. On va bien dormir. Je sens Pilate à l'arrivée de Thomas Tuchel. Alors là, ce soir, 19h, on va voir ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous présenter, et on verra par le futur ce que ça va donner, quoi. Donc voilà, et puis voilà. Mais non, mais pour le débrief, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Limite, voilà, on attaque Wea, le petit, Timothy, voilà, première titulaire. Et voilà, quoi, c'est... Il a pas fait grand... il a fait ce qu'il peut, c'est tout. Pastore, il a été merdique. De toute façon, je l'ai toujours dit, Pastore, quand il est titulaire dans un match, il est à chier. Quand il rentre, genre en seconde période, il est excellent. Là, ce soir, il a été à chier. Pour moi, le seul... qui a pu être pas mal, vraiment pas mal. La Sanadira qui a proposé énormément. Mota qui a distribué. Puis bah après, voilà, on a plus joué la défense que l'attaque surtout. Pastore Nkunku. Nkunku, il a voulu tenter les choses. Il cru que c'était Neymar. Donc bon, c'est comme ça. Et voilà, c'est malheureusement voilà, 0-0. Caen qui se maintient. Bon, après, voilà, il y a tous les Toulousains qu'on s'est. Tous les Toulousains sur Twitter et tout, réseaux sociaux qui nous ont dit putain Paris vous avez pas gagné contre contre Caen. Voilà, ils sont en barrage, nous on s'en bat les couilles, nous on est champions. Donc moi Toulouse, moi ça fait longtemps que je regarde même plus. C'est tellement pourri Toulouse, donc voilà. Sinon bah voilà, fin du championnat, champion, Coupe de France, Coupe de la Ligue, on rafle tout encore une fois. Et ouais. Et donc on se retrouve donc pour un nouveau championnat, là ça va être la Coupe du Monde. Donc, je vais faire des vidéos Coupe du Monde, hein, où bien sûr je supporterai l'équipe de France. Chaque match de l'équipe de France, voilà, nos internationaux Paris Saint-Germain vont partir dans leur pays pour la préparation pour la Coupe du Monde. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça, voilà. Thomas Tuchel, le PSG reprend le 2 juillet, donc il n'y aura pas grand monde je pense. Les Italiens, les jeunes, Berchiche, peut-être Rabiot. Mais il va travailler beaucoup avec les jeunes et non avec les gros noms, quoi. Donc voilà. Et bah sinon, bah voilà. Pendant 3 mois, voilà, on va pas avoir 2 matchs du Paris Saint-Germain. 3 mois pour le championnat. Il y aura les matchs de préparation au mois de juillet. Mais sinon, ça va pas jouer énormément quand on prend les grosses équipes, mais bon. C'est tout, quoi. Donc voilà. Donc moi, sur ce, on va se retrouver donc pour des vidéos Mercato, vidéo prochainement qui va pas sortir pour Thomas Tuchel. J'attends que sa conférence de presse sorte, enfin qu'il se fasse pour la sortir. J'ai déjà commencé à la préparer, vidéo Mercato, la Coupe du Monde, ça va arriver très vite, je pense que ça va arriver très vite. La page, la chaîne va toujours être en activité, vous inquiétez pas. Même si Paris ne joue pas, on suivra nos joueurs, que ce soit les Brésiliens, que ce soit les Français, que ce soit les Argentins et tout, les Allemands. On les suivra et voilà. Et on espère qu'il n'y aura pas de blessés à la Coupe du Monde, hein, voilà, pour notre club. Et surtout que Thomas Tuchel va faire un bon travail de préparation pendant ce mois de juin-juillet. Et pour revenir plus fort en championnat et bien commencer avec un nouveau dispositif, peut-être nouveau système de jeu, on verra. Et donc voilà. Donc moi, voilà, je souhaite bienvenue à Thomas Tuchel. Je vous souhaite de bonnes vacances, enfin, avec la petite partie qui va... Justement, pour ceux qui suivent que les matchs du Paris Saint-Germain,
Et nous, on se retrouve pour les matchs de la Coupe du Monde, voir les matchs pour Tourelle et au Mercato. Et voilà. La rumeur de Gianluigi Buffon, ça peut se faire. Vraiment, ça peut se faire. Enfin, ouais. À voir. Hein, plus de, je pense qu'on aura plus d'informations la semaine prochaine. Vraiment. Et donc, voilà. Moi, je vous laisse. Hein. Profitez de vous, de votre famille. Prenez soin aussi de vous. Hein. Et faites des barbecues et tout, etc. C'est bientôt l'été. Profitez de l'été. Pour ceux qui travaillent, bonne chance, hein, avec la chaleur qui va arriver. Et voilà. Et n'oubliez pas juste une chose. Paris est magique.